Juste avant de démarrer la vidéo, si tu souhaites soutenir la chaîne et tenter en même temps de gagner un drip ou un pixel, il te suffit d'aller sur mon Utip, le lien est dans la description où il s'affichera juste en bas. Il suffit de regarder une publicité et c'est totalement gratuit. Et moi, sur les deux derniers jours à chaque vidéo, je ferai un tirage au sort et la personne gagnera un drip ou un pixel et du coup, le ou la gagnante pour cette vidéo est... Hello mes étrangers, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera je pense assez courte, voilà. Donc sachez que dernièrement dans une vidéo vous avez fait connaissance avec une pote à moi qui du coup débute sur MSP et du coup qui s'appelle Mstasy. D'ailleurs elle a créé sa chaîne YouTube et vous êtes nombreux à la suivre déjà, mais pour ceux qui ne savent pas n'hésitez pas allez voir sa chaîne, elle débute sur MSP. Et du coup, de base, quand je faisais mes vidéos situation, j'ai mis une petite situation à part pour vous la montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Et du coup, en fait, c'est une des personnes qui se font passer du coup pour ma pote, du coup, pour Mstasy. Et on peut constater juste dans un mail que je vais vous montrer maintenant. Voilà, donc nous sommes sur le screen qui m'a été envoyé. Du coup, elle a envoyé un message à Mstasy, deuxième compte entre parenthèses, et elle lui demande « Tu serais l'ami de Quinzel ?» Et du coup, la personne répond « Oui, pourquoi ?» Et du coup, elle lui a répondu « Bah pourtant, dans la vidéo, il n'est pas écrit le même pseudo que toi. » Parce qu'effectivement, Mstasy, son compte, c'est Mstasy tout court, il n'y a rien d'autre. Voilà, il n'y a pas de parenthèse, enfin voilà, c'est juste Mstasy tout court, tout simple, aussi simple que cela. Et du coup elle répond parce que quelqu'un m'a piraté mon premier compte, du coup c'est lui mon compte principal. Donc là on est bien dans un cas de figure où la personne se fait passer pour Mstasy et non pas pour un compte fan ou quoi que ce soit d'autre, hein. Là vraiment elle se fait passer pour elle. Sur le deuxième screen, elle dit... Après, tu as le droit de ne pas me croire, mais ce compte est mon compte principal. Et du coup, bah, la personne qui m'a envoyé cette situation, elle répond, bah, bizarre qu'en 5 heures, tu te fais hack. Et elle lui répond, bah, les gens d'aujourd'hui, hein. Et ça ne fait pas 5 heures que la vidéo de 15 elle est postée, mais 21 heures. Donc il y a déjà 8748 vues. Les gens sont malins. Ouais, genre... Donc je vous confirme dans cette vidéo, ou plutôt je ne vous confirme pas dans cette vidéo, que Mstasy c'est le deuxième compte et le compte d'Mstasy. Non, ce n'est pas Mstasy. D'ailleurs Mstasy elle-même, elle m'a dit ouais c'est trop chelou, il y a plein de gens qui ont... Voilà, parce qu'elle ne connaît pas le monde MSP et elle trouvait ça chelou, mais je vais vous montrer. De retour sur Quinzel, on va juste mettre l'anti-bug. Alors effectivement, bah, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Mstasy, du coup, sa première vidéo. Il me semble que dans sa vidéo, elle, justement, elle découvre en tapant Mstasy qu'il y a pas mal de comptes Mstasy maintenant. Alors que de base, il y en avait zéro avant sa création. Et effectivement, maintenant, il y a plein d'Mstasy. Hein. Il y a même une Mstasy YouTube. Hein. Mention plus plus à Mstasy YouTube, hein, quand même. Pseudo, il a bien été réfléchi celui-là, par contre. Hein. Mais bon, voilà. Et en plus, le pire. Bon, maintenant non, parce que. Mais bon, on peut voir déjà sur la photo de profil. C'est que tout simplement, ici, Mstasy de base. Bon, maintenant ça a changé entre temps, mais si vous regardez la vidéo d'Mstasy, sa première vidéo, je vous la mettrai également dans la description directement, le lien vers sa vidéo, on peut voir qu'elle avait exactement ce look-là. Peut-être juste la tête un petit peu différente, ou peut-être elle a été changée entre temps sa tête, je ne sais pas. Mais qu'elle a exactement le même look, hein, vraiment. Hein. Et merci à toi, Chocolat, pour la salutation, merci beaucoup. Ouais, il est sympa ton look, merci beaucoup. Mais qu'elle a exactement le même look. Et bizarrement, regardez les autres aussi, regardez, ils essayent de recopier exactement le look d'Mstasy, comme vous pouvez constater. Hein, regardez, tous des mêmes têtes, la même coupe et tout. Vraiment des compis. Des copies conformes, hein. Et on a une Mstasia, voilà, pour les personnes qui se trompent d'une lettre et peuvent tomber sur une mauvaise personne. Bon, maintenant, c'est un peu plus simple de différencier le compte, étant donné... Ah, Mstasix. Attends, j'ai envie de voir un petit peu... Oh non, il n'y a pas de que fais-tu, c'est dommage.
Mais du coup, M'Stazy, si vous voulez la reconnaître, c'est simple. Là, maintenant, M'Stazy, déjà, c'est son pseudo, c'est celui-ci. Et du coup, M'Stazy, maintenant, elle est VIP. Je pense que la vidéo VIP sortira avant celle-ci. Donc, voilà, pas de... Comment dire, pas de surprise. Vous le savez tous maintenant, M'Stazy, maintenant, son compte est VIP pendant un an. Du coup, voilà, maintenant, si vous cherchez une M'Stazy, il faut qu'elle soit VIP. Bon, un minimum niveau 13 au moment de cette vidéo. D'ailleurs, hop, j'ai envoyé un petit autographe. Voilà, hein, donc bon, c'est pour ça que je disais aussi que son look avait changé parce que forcément, je lui ai mis le pack VIP sur elle. Voilà, pour la petite surprise au moment où elle se connectera. Et du coup, bah, n'hésitez pas à aller d'ailleurs voir sa chaîne. Peut-être qu'elle aura fait une vidéo entre temps. Hein. Et du coup, voilà, je pense que c'est celui-ci le compte qui est. Sur les mails que j'ai reçus. Et si you I could be your girlfriend, ok, c'est délirique, possible, j'accepte tout le monde. Allez, pour rigoler, je vais lui envoyer une invitation et je vais aller voir un petit peu si elle m'envoie un message. Bon, après je pense pas parce que voilà, c'est un peu compliqué pour moi de répondre. Du coup, je pense que vous avez un petit peu l'habitude que c'est très dur pour moi de répondre. Comme vous le constatez, c'est également très difficile pour moi d'ouvrir mes messages. D'ailleurs, ce serait bien, MSP, si vous passez par là. Mais bien sûr, vous ne passerez jamais par là parce que vous vous embattez les steaks de ma chaîne YouTube. Mais ce serait pas mal d'avoir un sorte de bouton quelque part où on pourrait, entre guillemets, comment dire, effacer tous nos messages pour un petit peu, que ce soit moins, ça charge moins longtemps en fait, qu'on efface tout, voilà. Quoi ? Attends. Attendez. Ça par contre, j'étais pas prête les gars. Je pensais réellement, donc il y a 5 jours, donc je pense que c'était il y a 5 jours, c'était genre, ouais, le jour de la vidéo qu'elle est sortie. Et elle m'envoie un message. Coucou, j'ai une fille qui se fait passer pour moi. S'il te plaît, Jess va lui parler. Son compte M'Stazy. Merci. À tout à l'heure. Bon. Bon. Je lui réponds, je vais dire coucou. C'est bizarre. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. En vocal. Lol. Non, parce que voilà, faut savoir qu'M'Stazy, je lui parle très souvent, quasiment tous les jours en ce moment. Et du coup, c'est voilà, bon, oh, elle aura essayé. Elle aura essayé, mais bon, j'étais pas prête à recevoir ce message là. Elle aura essayé. Hein. On va voir si elle a fait autre chose sur son profil, mais voilà. Je suis quoi? La vraie, c'est ça. Je suis la vraie pote. Oui, je suis la vraie pote de Quinzel. Ah non, je suis morte. Est-ce... Non, il y a zéro commentaire, mais... Ah non, mais jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, elle essaye. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Ok. Non, il n'y a rien d'autre, mais quand même, hein, cet artbook me tue. Hein. Littéralement, il me tue, hein, parce que... Elle a carrément fait artbook, je suis la vraie pote. Hein. Elle a pas cherché loin. Enfin, si, justement, elle a cherché loin. Elle s'est dit, tiens, coûte que coûte, hein, je vais lui faire avaler ça. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, hein, on se parle régulièrement. Et voilà, dès le premier jour ou le deuxième jour, je sais plus, M'Stazy m'avait parlé de ce compte. Elle m'a dit, oh, il y a quelqu'un qui a créé un compte qui s'appelle M'Stazy deuxième compte. Donc, voilà, elle est grillée depuis le début avec ce compte-là. Mais voilà, je voulais vous prévenir de base que le compte d'M'Stazy, c'est toujours le même qu'il y a dans la vidéo, qu'il est bien VIP maintenant. Voilà, tout ça, tout ça. Et que pareil que pour moi, M'Stazy ne vous demandera pas votre mot de passe, ne vous demandera pas de la faire VIP ou ce genre de choses. Dans tous les cas, elle est déjà VIP maintenant. Hein. Mais voilà, encore une fois, pour vous prévenir, faites attention parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent aussi des fois mes vidéos dans l'espoir de pouvoir pirater, arnaquer d'autres personnes par la suite. Et ils prennent leurs petites idées sur mes vidéos, comme vous pouvez le constater actuellement. Après, je ne sais pas si cette personne gratte des VIP ou ce genre de choses avec son compte. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec son compte. Dans tous les cas, il faut partir du principe que de base, c'est une personne mal intentionnée parce qu'elle ne fait pas un compte fan, mais un compte où elle se fait vraiment passer par la personne, enfin pour la personne. Voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Elle était censée être plus courte que ça, mais...
comment vous dire, finalement, à chaque fois que je dis qu'une vidéo est courte, au final, elle est plus longue que ce que je pensais. Mais bon, écoutez, moi sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et n'hésitez pas à aller follow Mstazi hein, sur sa chaîne YouTube. Et moi, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, gros bisous, ciao ciao.